Buzz Télévision, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine « Qu'en pense les Quinois ?». Nous sommes en direct de la commune de Limété, commune dite présidentielle, pour échanger avec les Quinois trouvés ici présents en ce qui est de la levée des immunités de l'ex-premier ministre, mais aussi sénateur Augustin Matata Ponyo, afin qu'il puisse comparaître devant la justice. Sans plus tarder, je voulais suivre les avis des uns et des autres quant à ce sujet. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population en ce qui concerne la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. De ce fait, comment trouvez-vous cette interpellation de la part de la justice? Bon, d'abord, la levée d'immunité de l'ex-premier ministre Matata Ponyo, ce n'est pas une surprise pour moi. Le Sénat, le chef de l'État lui-même avait déploré le comportement affiché par le Sénat. Et les sénateurs, une grande institution du pays, a refusé de lever l'immunité, a fait obstruction à la justice. Les chefs d'État avaient déploré ça, comme toute la population aussi. Aujourd'hui, s'ils sont parvenus à lever l'immunité, c'est sur demande personnelle de Matata Ponyo. On a lu la lettre qu'il avait écrite dans les réseaux sociaux, demandant qu'il en avait marre de toutes ses reproches, de toutes ses remarques et de toutes ces accusations-là. Et fin de compte, voilà, le Sénat se rétracte maintenant pour lever l'immunité. Bon, ça ne me surprend pas, d'ailleurs c'est bien, ça va instruire aussi les autres que même si vous êtes ministre, sénateur, n'importe qui, la justice doit vous interpeller. Comment trouvez-vous l'issue de cette affaire? Bon, l'issue de cette affaire, si il est établi que Matata Ponyo lui-même, il est responsable de ce qu'on lui reproche, il doit répondre. Il doit répondre et l'issue, ça sera quoi? Ça sera la condamnation. Ça sera la condamnation. Pensez-vous aujourd'hui que la justice congolaise sera en mesure de démontrer la destination de l'argent des victimes de la zaïranisation? Bon, zaïranisation, ça fait un peu longtemps. Vous voyez, vous n'étiez même pas encore né. Nous étions encore trop jeunes. Nous avons étudié ça comme l'histoire zaïranisation. Actuellement ici, les gens même qui avaient bénéficié de biens des zaïranisations, les autres ne sont plus vivants. La plupart sont déjà décédés. Et la destination, bon, en tout cas, je ne saurais pas vous dire avec précision si la justice pourra retrouver même la destination de tous ces biens-là. Puisque même les grandes entreprises qui étaient acquises à l'époque, la plupart sont en faillite. En tout cas, la destination, c'est difficile. Pour ne pas dire impossible. En parlant de la destination de ces biens, pourquoi ne pas traquer d'autres dignitaires du régime Kabila, seulement Augustin Matata Ponyo? Bon, vous voyez, tel que nous sommes en train d'évoluer, on peut être délinquants tous, on a violé la loi tous. Mais ce n'est pas au même moment, le même jour que tous nous serons interpellés. Chacun sera interpellé à son tour. On l'a vu avec les directeurs du cabinet du chef de l'État, Kamere Vital. On l'a interpellé parce que on avait réuni tous les éléments de son dossier. Hein? Vous voyez, les dossiers en justice ne se jugent pas comme ça. En justice, quand le dossier est en état d'être jugé, c'est alors qu'on appelle maintenant les concernés pour les juger. Mais si le dossier n'est pas en état, même si on interpelle les autres, on doit mettre votre dossier en état pour que vous soyez aussi interpellé. Eu regard à cette affaire, si vous devez dire un mot par rapport à l'affaire de Matata Ponyo, qu'allez-vous dire? Bon, par rapport à l'affaire de l'ex-premier ministre Matata Ponyo, moi je trouve que la justice va devoir faire son travail. Ah, si il est vraiment retrouvé responsable de ce qui lui est reproché, la justice doit faire son travail. Merci madame. Mbote Ndeko. Mbote, maman journaliste. De côté qui sur le terrain pour échanger la population, dans le Kambotali, levé à l'immunité, il y a ex-premier ministre, pays sénateur Augustin Matata Ponyo, afin qu'à comparaître le bosseur justice. Et tout le monde a dit qu'il y a une réaction des années. Bon, on est vraiment satisfait pour les locaux de Salemi parce que la plupart de ces remarques, tout le monde qui est dans le Sénat, la plupart sont mis en train de se battre. La plupart sont criminels, ou sont mis en train de piller que ça l'État, parce qu'on bat à Makuna à cause de l'immunité. Alors, Sénat, vous avez suivi même le président de la République à Outi Koloba dernièrement, qu'il a été déçu dans le comportement de sénateur.
va se protéger entre bango parce qu'ils ont constaté que basali mabe makasi pona mboka to se protéger avec ba immunité na kati ya institution wana ya Sénat. Mais résultat ebimi boye favorable na biso population parce que le président vient de marteler sur ça. Auti koloba na interview na ye auti koloba dernièrement en auti est a lobby que azana mwa ba déception mouke concernant justice aza pe na déception concernant Sénat. Compte tenu ya makambo ba outi ko sala dernièrement ba se protéger ba boy ko longo les militaires ya Matata Ponyo. Ce qui s'est passé na gouvernement ya Matata Ponyo c'est inacceptable. Talaraka Bukangalonzo mbongwe bima soki 200 millions de dollars si je ne me trompe pas. Mbongwe bimie belé bongo na kesa l'état pona makambo ya nani bilanga population balia ba se pela tout ça. Mais bake kuna ke ko sala banquette bake ko trouver ba tracteur ba longola ba moteur ba teka biloko ba engrais chimique ba sundola ba biloko mo inacceptable. Alors mais na sepeli vraiment na acte wana ya bureau ya Sénat parce que j'ai appris que ba sénateur ba zana congé non. Donc c'est-à-dire bureau ya Sénat nde bandimi ko lever immunité na ye. Il n'a qu'à partir à la justice parce que j'avais suivi Matata Ponyo à Lobaki ke non. Je ne crains pas la justice. Cette justice est instrumentalisée. Nazo crains drangote. Azaki soki na pays nini a voyagé. Aye kozonga a na katamboka. A kende na justice. Mais ne komona il paraît que. Ba pese ki quelques mbongo. Selon soupçon. Na ba journaliste moussousou ba défendre Matata Ponyo. Si Matata Ponyo se sent qu'il est innocent. Il n'a qu'à aller à la justice et à montrer innocence. Est-ce que justice congolaise est capable de démontrer destination à Bambongo wana en lieu place malgré que Bakangi, mais est-ce que démontrer biso destination prise ya Babi wana nyos? La justice va le faire. Pourquoi Naza convaincu que justice est comme ça? Parce que le président de la République vient de parler sur cette justice là. Aouti kolobe la justice qu'à la mingite ao. Il n'y a pas même 5 jours. Aouti kolobe la justice à attaquer ma magistrat. Parce que nous avons constaté qu'il y a des magistrats oyo bazoli ya corruption tisikoyo. Tozo lo ban général te il y a quelques magistrats o bazoli ya corruption tisikoyo. Soki dossier bazozo par exemple yoka bazozo dossier soki moko o eza sensible eza mieux suivi balaki si ango na télévision pona ko aveugler population na chef de l'état. Mais ba dossier mosusu eza en coulisses bazoli ya corruption. To constater en haut la raison pour laquelle le président de la République a outi ko lobelango kalamingi te awa alobi et puis to constater ce qui bakangi mutu na justice ayibi mbongo na kesa l'état mais il faut babotole ba bien a pirje boloko babotoli na ba bien ça se fait comme ça partout dans le monde na ba pays belé yo yibi mbongo l'état bakangi na infraction ya muyibi pe babotole ba bien oyoza nango. Mais nous avons constaté depuis que Kabila était au pouvoir, il y avait des voleurs, trop de voleurs, bazo ibambongo à l'état, aucune personne n'en parle. Bazo kanga mututé, pe bazo kanga biloko ya nani ba bien na été. Ya moni Félix président de la République à lobela ki makambwana lobi cette fois-ci, il faut total ba magistrat, justice est à la convenable, bakangio bakangi na ba bien na yo. Et mon mboka na nyoso oso ki koloba liloba moko, na justice mboka na biso liloba no suke ezani. Justice ngai selon soupçon pour le moment Matata Ponyo est innocent parce que nanu asambité selon justice hein parce que nanu asambité mais na kati na ngai je ne suis pas sûr que Matata Ponyo est innocent parce que dossier Bukangalonzo eza batwe belé ba homme politique bazé inclus belé naza sûr vous comprenez voire même il y a des députés qui sont là bazé belé donc nde to sabonala cirque soki dossier bandi to komona chaîne ya batu oyebi dossier Vital Kamerhe non procès wana ndenge lekaki batanga tanga batu ebele ya Matata Ponyo j'en suis sûr que bakotanga batu ebele obaza inclus na makambu wana. OK, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population en ce qui concerne la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Étant congolais, comment concevez-vous cette nouvelle? Bon, c'est je commence d'abord par me présenter. Je réponds au nom de Marc Matunga, je suis de l'IDPS. Bon, moi, je suis vraiment content pour les députés.
Eh bien, pour les sénateurs, cette fois-ci, ils se sont montrés un peu plus responsables. Bon, disons que c'est le bureau quand même hein, qu'il a décidé ainsi, qui a livré Matata. Lui qui se croit innocent, pourquoi ne pas se présenter? Il se cache toujours derrière son immunité. C'est la preuve à suffisance qu'il est coupable. Il sait vraiment qu'il est coupable. Il n'est pas en mesure de se défendre. Hein. Voilà, c'est à peu près ça. Moi, je trouve que vraiment, il est coupable, quoi. Aujourd'hui, comment trouvez-vous l'issue de cette affaire? Bon, l'issue de cette affaire, on va finir par l'arrêter. Bon, pour le moment, il joue de la présomption d'innocence, qu'il n'est pas encore jugé. Bon, bien sûr qu'il joue de la présomption d'innocence, mais par la suite, après, il sera condamné. Moi, je trouve qu'il sera condamné. Qu'il se sent mauvais, qu'il se mouchant. Le fait de fuir déjà prouve à suffisance qu'il a tort, qu'il n'a pas d'argument pour se défendre. Aujourd'hui, est-ce que la justice congolaise sera en mesure de tracer la destination de l'argent prise de tous les biens de la zaïranisation? Bien sûr que oui, on va tracer vraiment. C'est ça leur travail, à chacun son travail. Hein? Ils sont là pour tracer, pour savoir vraiment qu'elle a pris. On doit vraiment tracer, vraiment savoir vraiment que l'argent est parti comme ça, a pris tel chemin, ainsi de suite. Le chef d'État s'est plaint là-bas, vraiment, à Goma. Comment se fait-il que vraiment, vous êtes en train d'arrêter toujours les gens, vous n'arrivez pas à tracer, à reprendre l'argent? Ça, c'est déjà une erreur de la justice. La justice ne fait pas vraiment pleinement son travail. On veut sentir vraiment qu'il y a des enquêtes approfondies. Hein? On s'est vraiment tracé, tel a pris, l'argent était parti comme ça, on avait décaissé telle personne. Qu'on prouve les responsabilités de tout un chacun, qu'on arrête des gens. Et pas seulement Matata Ponyo, mais beaucoup de gens, toutefois. Hein, c'est à peu près ça. Ils sont nombreux, plusieurs dignitaires. Pourquoi seulement citer Matata Ponyo? N'est-ce pas un acharnement? Bon, c'est ça, les gens pourraient être bon. Non, c'est vraiment celui qui est le sommet. C'est lui, il fut premier ministre à son époque. Il y a eu tout ça. C'est en son temps. La zaïranisation, ou bien le problème de Bukangalonzo, par exemple, c'est lui qui a décaissé. Il était à cette époque-là, il fut premier ministre. Qui on va poursuivre en premier? On le poursuit en premier et par après, on saura poursuivre les autres. Mais pour le moment, c'est lui que nous allons poursuivre. Oui, regard à cette affaire, si vous devez dire un mot, qu'allez-vous dire? Bon, si je vais dire bon, qu'il soit jugé devant tout le monde, hein, sur la place publique. Qu'on dise, qu'on ne parle pas d'acharnement. Si on le fait, c'est si on le juge en cachette ou bien quoi, c'est soit les gens vont parler d'acharnement, de ceci. On est en train de faire la chasse à la sorcière, hein, aux anciens des caciques du FCC. Bon, nos délits de paix, on dira c'est là. Bon, je préfère ainsi que tout soit clair, soit à la place publique. Moi, je crois que ce serait mieux. Merci. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Bonjour, Ndeko. Bonjour, Ndeko. Ndeko Tokiti sur le terrain qu'on échangeait dans la population, le Tambetali, levé à l'immunité, il y a sénateur Augustin Matata Ponyo pour comparaître enfin Liboso à justice. Et toi, moi, l'ambo, car on a mis sans voilà de rien. Sango, il y a bien vraiment na yesengo mingi. Pourquoi ni Liboso toye bisi bande qu'on a biso? Oh, et tu penses à qui mandat électif? Faut bamusu se baser na en assemblée nationale, bamusu se na kati ya sénat toye bisi bango ke ba institution wana ezala loko la. Et si Kamoko boy refuge, il y a des criminels, entre autres, qui ont détourné le dernier public. Donc, bon, il y a l'État, mais solo à l'État, soit ma pango à l'État, après, il y a des gens qui ont été immunité. Mais il y a des Sénat, y compris le bureau du Sénat, qui ont la preuve, il y a bonne conscience, il y a que non, bon, que non, mouto a détourné, il faut te libérer. Mais, autorisation, il y a Sénat pour que justice a poursuivre Matata Ponyo, biso to sepeli makasi, to sepeli makasi. La force reste toujours la loi, et puis loande ekokangande kona biso Matata Ponyo, loande lobi ke Matata Ponyo akende ko se défendre na justice, to sepeli na makasi. Est-ce que justice en Mboka Nabiso, en dépit à Kokanga, a aux alamzou ya kolaksa biso destination au Bambo Mwane et Zwanzela? Nde konazo répondre que biso toza trésor public te toza ke sa l'état te biso peuple justice asala musala et puis azui mbongo wana oyo bazongisi ala ki sa peuple non akozongisa ngo na ke sa l'état mais jamais que justice akangi mutu azongisi mbongo par exemple mundele o ya Rav Bank bakanga ki ye afuti amanda l'état azongisi o ya l'état bayabala ki sa
Mbongo, $100 yango, $200 ti na 1 million de dollars, 2 millions. Te, eza responsable te. Ba ozongi sango, justice ako, koti sango na kese a l'état. Est-ce que bako simba dossier ya Bukangalonzo to ba osengsena ba bien nyoso ya za iranisation? Eza ke immunité basi balongoli yango. Lokola balongoli yango, mbala moko na makambo mususu, oyo ya Bukangalonzo, justice ako landa yango. Pourquoi affaire à Zéiranisation, bazar, bah, dignitaire rebellé, ancien régime, il y a Joseph Kabila. Mais quand Kamata la Pogno n'a pas cité. Pour Matata Pogno, vers 2011, Matata Pogno, si je ne m'abuse pas, Azala qui déjà ministre des Finances, a signé qui bat accord, n'a pas expatrié, n'a pas victime. A signé bah accord, tant qu'on a commis premier ministre, a yébi si Joseph Kabila a convaincre yé que batoyo il faut. To futa bango biloko na bango oyo ebeba ki oyo to boto la ki oyo sala ki boye Joseph Kabila tuna ki yeke il faut combien aloba ki si j'ai bonne mémoire plus de 111 millions de dollars Joseph Kabila paye andimaki voire même mundeko na biso luzolo bambi alandela ki makamwana aloba ki ke matata ponyo a détourné mbongo à l'état. À l'époque, Balandela qui le Cameroun a été pour Azala qui premier ministre. Est-ce que Biso to bandaka koti ka bongo mbongo ya l'état mbongo ana izambongo ya l'état. Il faut bazongisa yango. Ezonga na kesi ya l'état. Eza ya individuité a commis sa babiloko ana entre autres ba université. Eza bien privé naye. Eza azana ba bien ebele bien nyonso wana toz otokanga yango. Tozongisa yango ezala ya l'état. Olie ke ezalaka ya ye moko individu alors que mbongo ya zwa ki wana ezambongo a l'état il faut justice et landela na faire matata ponyo lilobananga ya suka eza ya ke justice a landela ndeko na biso matata ponyo ce qui a landeli ye bakanga bien wana université wana eko ma université ya l'état. École primaire oyeza kuna wana bana batanga ofeli na bâtiment wana bâtiment ya l'état pour que ezonga na bénéfice ya peuple congolais matata ponyo azala ka comparu na justice poto mona ke non justice na biso ezaka justice ya ba pauvreté eza justice ya mutu nyoso eza likolo ya pauvre eza likolo pe ya riche eza pe likolo ya autorité. Vraiment, na sepeli makasi justice a sala musala na ye, mais justice azala corrompite. Justice, c'est la justice qui élève une nation. Et puis to sepeli makasi na musala o justice azo sala, mais surtout IGF. IGF a continué pona ngai ndeko na biso alingeta ata liwa na ye biso to kosali la ye monument. Ya makasi kete na époque na ye akotique espoir. À côté que vraiment histoire que histoire bisonyon surtout aux alasimaya de qu'on a bisouane et puis totombolé lobo qu'on aye équitaté à kenya sala musala wana ezam musala na ye mokote eza pona famille na ye mokote eza pona congolais mubimba eza pona peuple congolais mubimba. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote mama. Papa de kiti sur terrain ko échanger na population na likambetali levé ya ba immunité ya ex premier ministre pe sénateur Augustin Matata Mponyo enfin ko ba poursuivre na justice et to mona mboka o yambi sangwana ndeni te ça ma bien sangwana na yambiango na yambiango malamu en tout cas ezam mandengo na pasinga na za ingénieur électromécanicien donc soto zo tala makambo zo leka na mboka fue légalement na ndenge ya justice donc ba IGF wana ndenge zali zo ya na mboka pona ba contrôle et ça la malamo parce que mutulokola nga papa boye na ko sepelate ke mbongo ya peuple hein bali ya nga ntanga boye eza na suivi te balandela batute a mutualene mbongo a s'enrichir na ndenge na ye botiki ye. Ah, donc, c'est pour la mbongo ya Congo. Na façon ya bien quoi, ce qui a sali mbongo na ye, a salaka bazo futa ye aux ala malam. Mais ce qui a bandi ko lia mbongo, netinga boye na za ingénieur, na kilia na ministère de la recherche scientifique. Comme on a ndonda kasangana. Ça fait beaucoup des années. Na sali ouvrage
hydroliennes, machines flottantes pour la production d'énergie électrique. Donc, tout ça, na sima ya mboka pour na tout soutenir mboka. Tout ça, sima ya chef de l'État tout soutenir yé. Alors, et ça la passe mingi do mutuana. Je m'excuse. Papa nanga wana vraiment faut justice etala makamunaye parce que toko tika likambwana ilikaka ndenge wana biso peuple to lobite ezala bien te netinga boye naza client ça fait 10 ans nazwaka patate ya kosala ouvrage wana aussi ça ouvrage wana mais na kosala autofinancement na mbongo na ngai moko pour nous faire l'ouvrage, on a pour tout prouver capacité, biso ba congolais, bagage ni toza nango, capacité ni toza nango. Comment est-ce que les destinations, ya bambongo wana justice ne biso ko éclaircir biso bambongo wana esikanye ezokena. Donc kaka ndenge grand prêtre alobaki ke bola bokangela nga mutu wana donc balanda bango IGF esala musala na yango. Donc balanda bango ba tia bango mama boko. Autosan méchant na mboko méchant ko sakanate to na méchant na yango est-ce que mbo dossier ma tête en pone ba ko juger ka pona bukanga londo to ba ko sang sambala mona ya zairanisation ouais ba ko fo ba justice c'est ça musala na yango bukanga londo so ki pe exemple na mususu batala makam na bango ezaka ye mote ba mi basé belete donc fo mutu na mutu chacun à son tour hein donc mutu na mutu aleki batali makambuna eso koza me propre koza me propre mais eso koza me propreté faut batia maboko mbongo wana ezonga na kesi ya l'état ngala za politicien te na zolo bango toza na méchant mabé ngala za ingénieur donc ça fait beaucoup des années comme na ndonda kasangana donc na sala ouvrage pena au prouver ouvrage wana en tout cas pour na dossier wana justice bosa musana na bino mbote ndeko Mote madame le journaliste. De côté qui était sur le terrain pour échanger la population dans le Kambetali, ba lever à ba immunité, il y a sénateur, puis ex-premier ministre Augustin Matata Mponyo pour comparaître que liboso à justice. Et tout mon amboko yambisa ngona nde. On a yambisa ngoma la mu nande ko ministre Abisso, na sepel makas na o nyoso eleki, na seni na sepel makas. Comment Augustin Matata Mponyo au sénateur baboué qui colonne la immunité autre papier le loba long est-ce que tu as eu sous bassement et affaire on est-ce que va forcer bangoloni les cani bon bah forcer bangoloni bah forcer bangoloni est-ce que moutoza moutassimi mandou qui va obliger à caille et là et l'eau que ça a mis et c'est n'est qu'à balongo lango pour n'a et ça l'a bien pour le lot. Nenge kweleli matata ponyo ne kweli matata ponyo ko kweli la paye alors qu'on a droit ya ko sala défense wana pona ko longola ngo po ami protéger po lobby na epe ko balukela e ngwana c'est pour cela et sengeke ba sala bongo na yango est-ce que to justice na biso ko parvenir ko pe se clairissement na destination ya bambongo nyoso bon justice ça na droit ya ko sala musala justice aloba pour la mambongo mbongo wana pena je croyais pas que rozonga ce soir comment ni ba poursuivre pour la baloba na mamba bukanga lonzo na tour lisusu mamba ba bien ya zairanisation est-ce que bazare belé pourquoi seulement ma tête en pogne alors que ba dignité en susu ya régime Kabila bazaka bon totika ba bi muta mabe totika ye akufa mabe na ye Mutamabe to tsika ku fama be na ye pona ngai gouvernement pe ko sai ko tsika ngo de chez avant matata ponyo poka ye te rende mutasal mabe la mboka o bate bele ba yibi mbongo a l'etat bele ba yibi mbongo a l'etat c'est qui justice c'est ça nini etika ngo so ki si un problème qui avec matata ponyo au niveau justice ngai pona nga ko singa ke justice imbisa ye azabo mo la mboka justice imbisa ye e fait souffrir été. Vous étiez nombreux à suivre les avis des uns des autres contre le sujet donné. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique et réelle attention. Merci également à l'assistance de Sephora Mufuta. Restez-nous fidèles d'ici là. Portez-vous bien. Ciao.